sûrement ses raisons. Une pièce ou deux. Voilà. Quelle honte. Je viens de me rappeler que j'avais un souci admirable. Respecte la vie et la liberté. Rejoins notre cause. Combat pour restaurer la paix en ces temps difficiles. Tu m'as convaincu, Efendim. Je combattrai à vos côtés. Ces mercenaires venus du Danube. Bonjour. Avant d'être interrompu par le d'où tu dirais qu'il vient, celui-là? Mon Dieu! Je n'ai rien à voir avec tout ça! Ne restez pas là! Que Dieu nous protège! Je n'ai rien à voir avec tout ça! Hérétique! Monstre! Démon! Je m'appartiens à présent! Si tu n'es pas d'accord avec... C'est moi qui fais la loi ici! Personne ne peut me battre! Alors je fais ce que je veux! Tu caches sous ton capuchon? Il flotte comme un papillon, mais pique comme un scorpion. Oh! Oh! Hey! Montre-lui! Ne te bats pas seulement pour survivre, Arkadashim. Défends une juste cause. Si je peux aider les autres comme tu m'as aidé, je le ferai de tout cœur.
des valeurs respectées par les braves gens de toute confession. Mon Dieu, où est Aslan? Condamné à mort plus joyeux que vous. Gardez vos plaisanteries, monsieur. Les Byzantins nous ont volé la moitié de ce que nous gagnons en un an. Mi dispiace, puis-je vous aider? Peut-être. Cela fait des siècles que mon peuple est insulté et calomnié, qu'on nous traite de sorcières et de démons. Mais qu'il en soit ainsi, nous ne fuirons plus ces mensonges. Nous les incarnerons. Nous attiserons ces rumeurs, car mieux vaut être craint qu'être ignoré. Voilà qui est bien parlé. Voici mon plan. Tout homme qui posera la main sur ce coffre devra mourir, mais discrètement, comme victime d'une malédiction. La malédiction des Romani sera notre bénédiction. Les gens nous laisseront enfin en paix. Bon, d'accord. Il faudrait vraiment que quelqu'un fasse quelque chose. Enfin, c'est ce que son père dit toujours. Mais comment sont les hommes? Plus leur fierté est en jeu, moins ils sont capables de... Il faudrait vraiment... Yeah.
toi. Bientôt, nous nous reverrons, j'en suis certaine. Ouais, ouais. Cela fait des mois que je m'en dis, que je fais la cure. Comment peut-on t'aider? Vous avez probablement volé cet argent à d'autres. Ce n'est que justice. Qu'y a-t-il? Est-il malade? Ne restons pas là! Ça va bien? Calmez-vous! Ici. Est-ce la malédiction des Romani? Dieu nous vienne en aide! Nous avons eu tort! Je me souviens quand j'étais petite et qu'elle nous amenait. Les vieilles ruses sont toujours imbattables. Sois bien prudent, Ezio. J'ai entendu dire que ce coffre était maudit. Où allons-nous, belle donna? Par ici. Et ouvre l'œil. As-tu déjà entendu le mot gitan? Si, assez souvent. Sais-tu que ce mot est né d'une fausse croyance selon laquelle mon peuple viendrait d'Égypte? Tu trouves cela insultant? Amusant plutôt. Mon peuple est originaire de Perse orientale. Pourtant, nous sommes devenus les citoyens d'une terre que nous n'avons jamais connue. Les gens sont toujours prompts à juger et lents à changer d'avis. Les gens sont stupides. Parfois. Ezio, la réponse la plus simple est toujours la meilleure.
Laisse-moi. Oh oh compter, vérifier que tout est là. Tu as notre gratitude, Ezio. Tu pourras toujours compter sur nous. À toute heure et en toutes circonstances. Très bien. Disons que je doive emprunter de l'argent. Je viendrai te voir. Cette gamine de bon sac qu'on avait étranglée. Tu veux que je dégaine ma lame? Ce sera la dernière chose que tu verras. J'en ai assez des étrangers comme toi qui viennent dans nos quartiers pour faire tu dois apprendre les règles, sale chien. Tu n'as même pas de quoi me soudoyer. Tu n'es qu'un vieillard sénile et perdu. Tu es trop misérable pour qu'on te punisse. Tu veux que je dégaine ma lame? Ce sera la dernière chose que tu verras. La paix de notre quartier est une chose qu'on prend très au sérieux, étranger.
bon. C'est quoi cette bagaille? J'en ai assez des étrangers comme toi qui viennent dans nos quartiers faire ce qui leur chante. Vite, partez! Vite, partez! Oh, faut que j'y aille. Encore? Je crois qu'il peut être mort! Il faut partir d'ici! Ne restez pas là! Laissez-moi! N'approchez pas! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir! Donnez la plus belle! Oh, c'est de l'argent! De l'argent! Les pièces! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir! Arrêtez ça! Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi toujours moi? Notre devise, un client... Vous serez toujours le bienvenu. Évolue très vite, ne l'oubliez pas. Non, il ne peut pas partir d'ici. C'est pas vrai. Mon Dieu, par pitié, écoute mes prières. Vite, ne restez ne pas là. Ne pas rester là. Priez. Je suis innocent. Je n'ai rien à voir là-dedans. Levez. Fatigue. Ah.
Attention! Yes, transaction accomplie. De l'argent, il est pour moi. Entrez donc, cher client. Mais moi qui vous prenais pour un homme du peuple.